Ja, eigenlijk zijn het heel aparte categorieën. Formule 1 blijft nog altijd de snelste auto's die er zijn. Heel hoge bochtensnelheden, de meeste G-krachten op ons lichaam ook. Terwijl dat Formule 1 eigenlijk een heel ander concept is. We rijden vooral op stratencircuits, zitten heel dicht bij het publiek aan. Voor het publiek is het ook heel toegankelijk. En ook de wedstrijden zijn heel close bij elkaar, want de verschillen tussen de auto's zijn heel miniem. Dus het zorgt er altijd voor dat het heel spannende wedstrijden zijn. Tout le temps on doit gérer la gestion de batterie, le management de l'énergie. Puis on a attack mode, fan boost qui font. Il y a toujours des choses en plus pour gérer. On est toujours en contact avec notre équipe pour leur donner les informations parce qu'eux, ils ne voient pas vraiment ce qui se passe dans la voiture. Et puis, une fois qu'on passe les informations, c'est eux qui nous disent exactement ce qu'on doit faire en termes de pilotage dans la voiture. Donc, c'est des courses très occupées. Surtout d'être un pilote en Formule 1, ça veut dire que tous les développements qu'on fait dans cette catégorie, c'est des évolutions qu'on verra sur les voitures de route dans le futur. C'est vraiment la nouvelle technologie qu'on développe pour les constructeurs aussi. C'est vraiment une plateforme qui a beaucoup d'importance pour eux, pour faire du marketing aussi, mais aussi pour le développement des voitures électriques dans le futur. Ik hoop dat we op een bepaald moment toch een Formule 1-wedstrijd in België zullen hebben. Ik weet dat enkele jaren geleden waren er discussies over een eventuele wedstrijd in Brussel. Het zou leuk zijn voor mezelf natuurlijk als Belg om een thuiswedstrijd te hebben.